Listen, I don't know if you're out there, but if you can hear me, I've made my way to a new place. It feels different. The plague is spreading, and their numbers are growing. We need your help. If you can make it here, we might just survive this world. Will I fall? Find your way here and start over. On se retrouve donc sur State of Decay 2 Juggernaut Edition. On vient de voir le trailer qui est sorti le 13 mars 2020 en version remasterisée au prix de 29,99€ sur Steam. On retrouve l'univers des State of Decay avec ses zombies bien sûr, les missions, les nouveaux personnages, le système de changement de perso comme dans le premier opus, mais avec de nombreuses nouveautés et pas de moindre dans ce deuxième opus. Nouveautés avec ajout de personnages, d'un nouveau gameplay, de la mise en place du mode entraide pour jouer avec ses amis. Mais afin de vous montrer tout cela, je vais vous le présenter en plusieurs vidéos par mode de jeu, car il y a tellement de choses à expliquer que ce serait vraiment trop long de vous l'expliquer en une seule vidéo. Donc je préfère le faire en plusieurs vidéos et comme ça au moins je suis sûre de pouvoir vous expliquer les choses correctement sans oublier des points importants. Donc il y aura donc 5 vidéos au total. La première sera de vous expliquer le mode entraide et pourquoi je dis entraide et non coop ou multi, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Comment jouer avec vos amis, car ça c'est une question récurrente et un des problèmes récurrents que rencontrent les joueurs. Ils n'arrivent pas à trouver leurs amis, à jouer avec leurs amis. Donc je vous expliquerai comment faire, les manipulations à faire dans le jeu, mais aussi où il faut aller pour pouvoir jouer avec vos amis. La deuxième vidéo sera le mode campagne du jeu, donc on verra les différents personnages et ce que ce mode comprend. La troisième vidéo sera le mode Heartland, qui est le deuxième mode du jeu, qui est encore une chose différente. La quatrième vidéo sera le troisième mode du jeu, qui est Daybreak, qui est complètement innovateur au niveau du State of Decay. Dans le 1, on n'avait pas ça du tout. Donc, on verra ça ensemble. Et la dernière vidéo sera une vidéo conclusion avec mon avis personnel sur State of Decay 2 Juggernaut Edition. Que ce soit mon simple avis à moi, hein, qu'on soit bien d'accord, vous ne le partagerez peut-être pas, d'autres joueurs le partageront, mais ce que j'attendais par rapport au 1, vous savez, vu la vidéo que je vous ai fait, que j'ai été super emballée par le 1, je ne me suis pas du tout ennuyée, je me suis vraiment éclatée, et à la fin du 1, je ne vous spoil pas, on s'attend que le 2 soit une suite, et ça ne l'est pas réellement, donc ça c'est un des points que je regrette un petit peu, mais ça on verra les points que je regrette, ce que j'attendais de ce State of Decay 2, ce qui m'a déçu, ce que j'aime bien, ce voilà. Mais à mon simple et humble avis personnel de joueuse. Donc on verra ça dans les différentes vidéos, donc je vous les posterai sur YouTube bien sûr, donc je vous laisserai ajouter vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai oublié des choses, enfin si ça vous aide, ce que je compte bien que cela soit. Je vais faire ce que je peux en tout cas pour vous expliquer tout ça, car il y a tellement eu de modifications et de nouveautés dans ce State of Decay 2
que c'est vraiment super compliqué. Ça fait des jours que je le prépare pour pouvoir vous le faire correctement et pouvoir tout vous expliquer. Car même moi, au début, quand j'ai joué avec des amis, on avait énormément de mal à pouvoir se trouver. On n'y arrivait pas. Et on a eu énormément de mal à trouver une solution. Donc j'espère en tout cas que cette playlist que je vais vous faire sur State of Decay 2 avec ces 5 vidéos vous aidera, vous permettra d'en savoir un peu plus sur le jeu plutôt que vous faire un gameplay direct comme ça. Et ce ne sera pas un tuto parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto, on retrouve les mêmes mécaniques que dans le 1, les missions, etc. Mais on développera un peu plus toutes les nouveautés qui ont été rajoutées et qui sont ou bénéfiques, en tout cas pour moi, ou positives. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. On commencera par donc le système d'entraide. Je vous expliquerai où aller, comment faire et bien sûr les petites astuces dans le jeu qui vous permettent, quand vous êtes en solo et non pas avec des amis, d'avoir de l'entraide aussi parmi des joueurs en ligne. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos pouces en haut ou vos pouces en bas, peu importe, de mettre vos commentaires si c'est une bonne idée de vous le présenter comme ça. En tout cas, moi, je vais le faire. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, qui sera sur le multi, je le répète, sur le multi, comment jouer, comment arriver à trouver ses amis et en solo, comment pouvoir, si on n'a pas de gens qui jouent avec nous, avoir des gens pour jouer avec nous, pouvoir avoir des gens qui nous rejoignent dans notre partie. Donc, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous en ce confinement. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Protégez-vous, restez chez vous, ne sortez pas, faites vraiment le minimum et on se retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!